Bonjour, je m'appelle Ryan et je suis un élève en secondaire 1, au secondaire un jour. Puis aujourd'hui, je vais être votre guide pour vous présenter les différents profils offerts dans notre école. Puis nous allons commencer dans notre premier profil, qui est le profil musique. Ok, maintenant on est rendu au profil musique. Je vais laisser les filles du profil musique vous en parler un petit peu plus. Pour le profil musique, on n'a pas besoin de connaître vraiment la musique pour s'inscrire au profil musique parce qu'on va apprendre tout au cours de l'année. Il y a aussi l'école qui prête tous les instruments pour jouer. Pour la musique, il faut quand même avoir un intérêt pour la musique, sinon vous allez vous ennuyer tout au long de l'année parce qu'on pratique beaucoup. On répète en classe, il y a des récupérations à chaque midi et on peut aussi apporter l'instrument à la maison pour se pratiquer. Tis, peux-tu nous présenter les instruments qui seront essayés en début d'année? En premier lieu, vous allez essayer les quatre instruments suivants. La flûte traversière, la clarinette, la trompette et le trombone. Par la suite, vous aurez le choix entre le saxophone, le phonium, le tuba et le cor français. Frédéric, peux-tu nous parler des activités qui sont vécues dans le programme de musique? Durant l'année, on fait plusieurs sorties en rapport avec la musique, comme par exemple cette année, on est allé à l'ESM pour le fantôme de l'opéra. On pratique toute l'année, beaucoup, pour faire le concert de Noël et le concert de fin d'année. Quand tu es rendu meilleur et que tu sais bien jouer ton instrument, tu peux participer à On joue ensemble, le Stage Band et l'Artichaut. J'ai choisi ce profil-là parce qu'auparavant, j'avais déjà essayé d'autres instruments et j'avais envie au secondaire de choisir un autre instrument. Et cette année, je pratique la clarinette et j'aime mon choix. Moi, j'ai choisi le profil musique parce que depuis que je suis toute petite, je regarde les concerts à mon père et je vais à ses pratiques. Puis ça me tentait d'essayer de jouer moi-même d'un instrument. Moi, c'est que depuis mon enfance, j'ai toujours été passionnée par la musique, jouer en orchestre, jouer avec des amis. Et j'ai toujours aimé écouter de la musique. Et... Maintenant, nous allons nous déplacer au profil art, qui est mon profil. Okay, maintenant, nous sommes arrivés au profil art, comme je vous le disais, qui est mon profil. Veuillez me suivre. Comment décrirais-tu le profil d'art plastique? C'est un profil où on peut s'inspirer de notre imagination, de faire des dessins sans clichés, de faire plus trop d'expériences plutôt. Puis c'est vraiment un bon profil pour moi. C'est un profil où l'on peut décompresser de nos autres cours, où l'on peut discuter avec nos amis et laisser s'exprimer notre créativité. Moi, en fait, comment je décrirais mon profil? En fait, c'est un gros profil où... t'as pas vraiment besoin de te casser la tête, donc t'as pas besoin de corriger tes fautes ou faire des calculs. C'est juste un profil, comme la plupart de mes camarades l'ont dit, juste un peu décompresser puis relaxer. Cassine, comment tu décrirais les activités qui sont vécues dans le profil d'art? Au début d'année, nous avons fait des dessins sans clichés. On a appris à faire du dessin sans clichés. Puis après, on a fait des dessins sur des thèmes en particulier. Et on a fait des Photoshop. On a fait de la couture, on va faire de la couture et maintenant on est en train de faire de la céramique. Et Léonie, pourquoi tu as choisi le profil d'art? Ben, j'ai choisi ce profil parce que j'ai trouvé qu'il avait l'air stimulant et amusant. Puis j'ai toujours aimé l'art et la façon, c'est une de mes façons pour m'exprimer puis me libérer mes émotions. Ici à la bibliothèque, puis nous allons maintenant aller visiter notre prochain profil qui est le profil anglais. Et voici le profil anglais.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le profil d'anglais enrichi. Anglais enrichi est un profil d'anglais avancé et il est vraiment intéressant car on fait plusieurs activités et plusieurs sorties. Pour accéder à l'anglais enrichi, vous devez avoir une recommandation de votre prof d'anglais au primaire et aussi avoir des bonnes notes. Sur ce, je vous laisse mon ami qui va vous parler plus anglais. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous dire que le profil anglais enrichi est très excitant car à chaque cours, nous avons différentes leçons à apprendre et différentes activités à faire. Je le trouve aussi très créatif car à chaque projet, nous avons carte blanche et nous pouvons ainsi inspirer de ce qu'il nous imagine, ce que je trouve très intéressant. Okay. Pour les activités qu'on fait en anglais enrichi, au début de l'année, on a fait une course à l'honneur de Terry Fox. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est quelqu'un qui a couru across le Canada pour faire un fundraise pour de l'argent pour les personnes qui ont du cancer à l'hôpital. À chaque fois qu'on a des nouveaux projets, on peut nous laisser inspirer par notre créativité. Puis on est allé au cinéma et il y a beaucoup d'activités, mais je ne vais pas tous les citer sinon on n'aurait pas le temps. Je vais laisser la place à mon ami. Donc moi j'ai choisi ce profil parce que j'ai toujours aimé l'anglais puis je voulais vraiment m'améliorer. Puis donc on m'avait dit que ce programme était vraiment bien puis ils avaient de bonnes activités, ce qui est vrai. Et tous les projets là-dedans sont vraiment intéressants et c'est vraiment à mon goût. Ok, bah alors maintenant nous allons nous diriger à notre prochain profil qui est le profil science qui est juste en bas. Suivez-moi. Nous voilà donc dans le local du profil science. Bonjour, je m'appelle Daniel, je vais vous présenter le profil science. Donc le profil science est un profil qui va te permettre d'apprendre de nouvelles choses, comme par exemple les cellules ou la composition de la nature. Ce profil te permettra d'acquérir de nouvelles connaissances et par exemple à pouvoir construire des objets. Tu apprendras ainsi plus davantage sur ce qui t'entoure. Vous ferez des sorties en lien avec la science, comme vous irez au planétarium et au centre des sciences. Vous ferez aussi des exposés et plein de recherches super intéressantes en lien avec la science. J'ai choisi la science parce que ça te permet de découvrir plein de choses et de développer ton imagination. Maintenant, nous allons nous rendre dans notre dernier profil, qui est le profil sport. C'est juste ici, venez une seconde. Bienvenue à l'école secondaire Anjou. Je m'appelle Joyce et puis aujourd'hui je vais vous parler de, en général, ce qu'on fait au cours d'éduc. Pour commencer, ce profil est très amusant parce que cela nous permet de découvrir de nouveaux sports comme le curveball et le trottin et plusieurs autres. Mais on bouge beaucoup, c'est normal, mais on ne fait pas des sports traditionnels comme le basketball, le soccer, le football et le hockey. Tous ces sports-là sont connus. Parce qu'il y en a qui jouent depuis des années, puis il y en a qui viennent juste de commencer à jouer à ce sport-là. Et puis, on fait des nouveaux sports pour que les gens découvrent de nouvelles capacités. On a aussi ce cours d'éduc. On pratique différents sports, comme le trottin. Le trottin ressemble au football américain. On pratique ce sport pour améliorer nos stratégies en équipe. Et pour y gagner, il faut faire beaucoup de passes. Dans ce profil, il contient plusieurs examens. L'examen le plus important est le triathlon. Le triathlon contient trois activités en même temps, la natation, le vélo et la course. Le triathlon compte pour 80% dans le troisième bulletin.